Bon, croisons les doigts qu'il ne craque pas. Espérons qu'il ne crache pas cette fois-ci. J'ai compté, généralement, il crache toujours une, deux, voire trois fois. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance quand il crache, c'est... Alors, viens, hop. Apportez le rupteur à Wade pour qu'il répare ce qu'il a fait en se prenant pour Dieu. C'est mon plan. Mais le FBI... Logique. Ok. Je crois qu'on peut oublier le protocole au point où on en est. Ne me le faites pas regretter, Anderson. Tant que le courant sera coupé, la cellule ne s'ouvrira pas sans courant. Allez, réfléchis. Les amalgames requièrent des œuvres d'art pour s'ouvrir. Ce sera à cause de l'obsession de l'entre-noir pour l'art? Il faut que ce soit Wake qui réécrive toute la fin. Et il va falloir que je le surveille. Vu ce qu'a fait Thor, ça m'étonne que ma mère soit restée aussi longtemps. Mais je sais qu'il s'en veut réellement. Wake a rajouté Logan dans cette histoire. Il n'avait pas le droit de l'utiliser comme ça. J'ai encore le temps de lui faire changer tout ça. Je lui laisserai pas le choix. Thor est ici, dans l'amalgame. Je dois le trouver et me tirer de là.
Anderson, over here. Derrière le comptoir. Saga! Putain de FBI, de FBC, d'ordure du gouvernement qui foutent tout en l'air! Laissez-nous sortir! Vous êtes les gourous de la secte. Pas question de vous libérer. Wake va tout foutre en l'air. Il faut que tu le butes, Saga! Tu m'as tiré dessus, putain! C'est typique des fédéraux. Faut que je sorte pour pouvoir le tuer, Saga! Fumier. Est-ce que vous l'avez? Vous déboulez en ville et vous faites semblant de tout maîtriser. Mais vous êtes à côté de la plaque! Laisse-nous sortir! T'y pourras rien, tes potes non plus! On peut s'en occuper. On s'est entraîné pour ça. Vous avez mis Logan dans votre histoire. C'est vous-même qui me l'avez dit. Dans l'entre-noir. Écoutez, Grincement arrive. Il approche. Il est presque là. Ma fille est morte à cause de vous. Une enfant! Vous êtes complètement taré. J'essaie d'arranger ça. Et j'y arriverai. Je sauverai tout le monde, mais on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin du rupteur. Je l'ai, votre rupteur. Vous allez changer ça. Vous allez sauver ma fille. Jurez-le. Oui, c'est promis. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez! Il faut pas lui donner, putain! Merde! C'est une saloperie de monstre, Saga! Oui? Le voilà! On t'attend depuis un bail, espèce d'ordure! Je vais te réduire en bouillie! J'ai besoin de temps. Il est trop vif.
besoin de talent. Ah oui, mais comment tu veux que je passe? Comment tu veux que je passe? Allez, mais comment tu veux que je fasse? Je pense comment? Je
Restez là. Il reviendra. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Question. Et le double de Wake. Il nous a eu. Il a failli me prendre le rupteur. Tout le plan est fichu maintenant. Comment est-ce qu'on a pu se planter? Un sacré beau merdier. Tu l'as dit, Anderson. Un vrai bordel. Bon, c'est quoi le plan? Grincement s'est fait passer pour Wake, pour nous berner. Il a bien failli m'avoir. J'aurais dû me fier à mon instinct. J'ai eu une sale impression quand on l'a retrouvé au lac. Quand ce nuage monstrueux m'a attaqué dans les bois, j'ai vu un visage dedans. Wake. Je crois qu'il a toujours été un monstre. Monsieur Grincement. Le FBC est habitué à ce genre de choses, non? Une idée? Attendez une seconde. Vous avez apporté un objet paranormal sans me prévenir, et puis vous avez failli le donner à une entité hostile? Je ne vous faisais pas encore confiance. C'était une erreur. Tout comme de croire Grincement. Mais ce n'est pas trop tard. Seulement besoin de mieux comprendre. On est d'accord. Ce serait mieux de se dire qu'on est dans le même camp, non? Alors dites-moi ce qui m'échappe. Le FBC doit savoir des choses. C'est vrai, on a des renseignements sur tout ça. Malheureusement, c'est ultra secret. Mais bon, considérez-vous comme affilié au Bureau fédéral de contrôle. Voici les clés de la cellule où se trouvent les dossiers. Et bonne lecture. Ok. Merci. Chouette équipe. L'histoire d'horreur altère la réalité. Selon elle, ma fille est morte ici, alors qu'elle est censée être chez nous en Virginie. Vous savez si c'est... Les EM sont des distorsions locales de la réalité. Les alentours de la ville ne sont peut-être pas touchés. Parfois, ils s'étendent. Parfois, ils disparaissent. Si on arrive à le faire disparaître, votre fille devrait survivre. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je ne peux pas laisser ça détruire ma famille. C'est pas facile d'avoir une famille avec notre travail. Les heures sup... Les voyages, les mondes alternatifs qui menacent leur existence. Mon ex-femme n'a pas tenu le coup. Kiran, vous êtes bien mieux sans votre femme. Idem pour moi. Tu te souviens vraiment pas que Logan vivait avec David et moi en Virginie? Je me rappelle que vous aviez des problèmes, David et toi. Vous deviez faire une pause. T'es venu à Watery avec Logan. Et... Et Logan, ça a été l'horreur. Quand t'es revenu bosser, j'ai pensé que tu serais la meilleure pour cette affaire. Si t'étais d'accord pour revenir dans la région. C'est bon. Ça suffit. L'histoire est en train d'altérer ta mémoire. Tous ces souvenirs, c'est de la fiction. Logan est en vie. Je suis en couple. On n'a jamais vécu ici. C'est ça, la vérité. Non. Wake, Grincement, peu importe qui c'est. Il a dit que l'histoire pouvait s'en prendre à nous. Il faut douter de la réalité. Cela dit, comment tu sais que c'est pas l'histoire qui te donne de faux espoirs? Je peux pas les convaincre. Je dois juste changer l'histoire. C'est le genre d'affaire que mon ex détestait. Celle dont je risquais de pas revenir. C'est bizarre. Les affaires qui pouvaient m'être fatales étaient les préférées de mon ex.
Non. L'ombre noire est vulnérable à la lumière vive. Ça, au moins, c'est logique. Ilmo, je suis désolé pour votre frère. Yako était bon. Il critiquait jamais mes idées, même quand elles étaient ridicules. Il était toujours prêt à aider. Je me suis emballé. Je réfléchis pas avant d'agir. C'est ma faute. Je sais que le moment est mal choisi. Mais il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur la secte de l'arbre. La secte, c'est mon idée la plus dingue qui ait marché. Eh, quel genre de secte choisit de s'appeler secte? Eh ouais. On protège Watery et Bright Falls. On est les gentils. Comme des justiciers secrets. Enfin, disons que c'était l'idée. En fait, on a toujours su pour l'horreur au fond du lac. Quand les possédés se pointent, on les bute. Vous ne changez pas les gens possédés. Vous tuez ceux qui sont déjà changés. Pourtant, vous vouliez tuer Alan Wake. Pourquoi? Rien de bon n'est jamais sorti de Cauldron Lake. C'est à cause de ses écrits qu'il y a eu ce cauchemar à Bright Falls, en 2010. Depuis cette date, des pages de ses histoires remontent à la surface du lac. Et des tas de monstres apparaissent. Tout est de sa faute. Wake, si on l'arrête pas, personne ne le fera. C'est le double maléfique de Wake, Grincement, qui nous menace. Pas Wake. Et je compte bien l'arrêter. J'ai jamais entendu parler de Grincement. Quand est-ce que la secte a été créée? Certaines personnes du coin ont toujours su pour Cauldron Lake. Avant nous, c'était les porteurs de flambeaux. Quand j'ai hérité de cette mission, j'ai voulu appeler ça une secte. C'était du génie. Rien que le nom a eu un impact. Ça dissuade des légendes d'aller dans les bois la nuit. C'est la base du business. La peur, c'est un très bon moteur. Faut éviter tout. Ça marche pas. Hmm.
Quelque chose ne tourne pas. Qu'est-ce qui arrive à Kelsey? Crevé. Chouette. Une ombre qui rampe juste sous ma peau. Dans ma tête. Appelle mon ex. Dis-lui que je m'excuse. Kelsey, cadet. Grassement se faisait passer pour Wake. Il m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il attendait? Le retard. Non! C'est moi qui commande. C'est mon entrée. Il est puissant. Bien trop puissant. Sa seule présence ici me rend malade. Comme si la terreur m'envahissait. Je peux sentir sa volonté de récupérer le rupteur. Je croyais que Wake avait fui l'entre-noir. Est-ce qu'il est possible qu'il y soit encore? New York baigne dans un océan de ténèbres. J'ai plongé. Note de mon éditeur. Tu utilises le mauvais temps. Piégé dans une boucle. Mes amis le croiseront quand je serai parti. Et qui est encore piégé dans l'entre-noir? Il l'a peut-être toujours été. Wake est piégé dans l'entre-noir. Il m'a contacté et communique avec moi dans les amalgames. Il maudit que la secte tue les possédés. Est-ce qu'il dit la vérité? Des masques de serre, achetés en lot. On a un flotteur, un possédé sur la rive. Appelle les gars, Yako. On part à la chasse. La secte de l'arbre veille sur notre ville depuis 2013. Il maudit la vérité sur la secte. Elle luttait bien contre les possédés. On est dans le même camp. Si la secte tue les possédés, pourquoi Nightingale en est devenu un? Fiesta privée, sur invitation seulement. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut y aller, Yako. Faut jamais faire les choses à moitié. Nightingale est devenu un possédé parce que les Bookers ont interrompu le rituel.
Je compte bien régler la situation, Elmo. Mais il faut protéger la ville le temps que ce soit réglé. Vous pourriez m'aider. Ouais. Ouais. Je vais appeler la bande. Ou ce qu'il en reste. On laissera pas ces putains de monstres blesser d'autres habitants. Mon frère sera fier de nous. Merci, Elmo. Mon frangin. Alors la secte de l'arbre tue bien des possédés. Elle était dans notre camp, même si ses méthodes sont ridicules et criminelles. Ça semblait logique de notre point de vue. Tout n'est qu'apparence dans cette affaire. Il y a beaucoup trop d'histoires qui se contredisent. Trop de versions de la vérité. Quand cette histoire sera terminée, on aura une longue discussion. Tout a tellement changé. Ma famille, moi, putain, le monde entier. Je t'offrirai le café, Anderson. Collègue jusqu'au bout. C'était écrit, noir sur blanc. Mais elle est pas mal, celle-là. Mais c'est quoi un para-utilitaire ? Le lac est un passage vers l'entre-noir. Wake n'est pas la première personne dont l'ombre noire a pris l'apparence. Je dois savoir à quelle information je peux me fier. Réfléchis.
grincement a dit que le rupteur pouvait changer l'histoire. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez compris? L'interrupteur est un objet surnaturel, peut-être même un objet de pouvoir. Selon des rapports vérifiés, il était entre les mains d'Alan Wake pendant l'EAM qu'il y a eu ici en 2010. Il est bien doté d'un pouvoir, ça, c'est certain. Je peux trouver un plan, j'en trouve toujours. Le rupteur peut régler ça. Mais il faut Wake pour l'utiliser. Thor connaît toutes ces choses. Il pourrait m'aider. Comment je peux le libérer? Wake est encore dans l'entrée. On vit et on respire rock'n'roll. Dans les cris silencieux. Dans les rêves trop fiévreux. Le rupteur peut amplifier d'autres arts, pas seulement les écrits de Tom. Tout ce que la passion a pu créer. Le pouvoir sombre du lac transformera tout en réalité. Mais si le détenteur du rupteur croit vraiment en l'art, il peut en faire une réalité en l'activant. Je peux utiliser le rupteur sans Wake. Seuls les écrits de Wake peuvent changer l'histoire d'horreur. Mais je peux utiliser le rupteur pour changer autre chose. Faire sortir Wake de l'entre-noir. Wake m'a dit que le rupteur réparerait tout. Wake était en fait grincement. Comment je pourrais croire tout ce qu'il m'a dit? Il faut que l'artiste achève son œuvre. Ça tourne à l'orage avec lui. Il va falloir se remuer les miches. Tu l'as déjà dit, gamine. C'est vrai ce qu'a dit Tom sur l'interrupteur. Te laisse pas troubler par l'histoire. Il faut qu'il écrive la fin de ton choix. Le rupteur peut en faire une réalité. Mais on n'a pas Wake. Tout ce qu'on a appris sur le rupteur était vrai. Il mentait pas. J'utiliserai le rupteur pour changer la réalité et ramener Wake à Cauldron Lake. Il me faut la bonne œuvre d'art, mais ce sera pas un problème. Je sais quoi faire. Je dois donner aux autres la marche à suivre et tout arranger. Pour demain. Donc il faut que Wake corrige cette histoire, c'est bien ça. Rien n'a changé. Voilà ce que je sais. Wake est toujours dans l'entre-noir, sous le lac. Le rupteur devrait pouvoir le sortir de là. Mmh. Mais il nous faut une œuvre d'art. Autre chose que son histoire. Ça le ramènera ici. Je vais rien consigner pour cette affaire. Je saurais pas quoi écrire. Mais ça me va. Ok. Écoutez, j'ai l'impression qu'on pourra pas faire demi-tour une fois la machine lancée. Vous êtes sûr d'avoir bien pensé à tout? J'ai commencé... Je suis prête à aller à Cauldron Lake. Mettons notre plan en marche. D'accord, c'est parti. On se tient à dispo. Dites-nous ce qu'on peut faire. Je vais à Cauldron Lake avec le rupteur. Grincement va te traquer, Anderson. Tu vas avoir besoin d'aide. Je vois bien que je pourrais pas te convaincre de rester, Casey. Estevez, y a un moyen d'emporter ces spots jusqu'au lac? Je gère ce problème, donc pas de soucis. Et j'emporterai notre unité de détention mobile. Elle est conçue pour des entités comme Grincement. Et cette œuvre d'art, Anderson,
C'est quoi le plan pour ça? Je passerai des coups de fil en route. Retrouve-moi à Cauldron Lake. Merci, Apothéose. Même c'est que... Thor, j'ai besoin des All Gods of Asgard. Il me faut une chanson spéciale. Ça marche! On a déjà chargé le bus pour la... C'est pour le boulot. Et dit au revoir tout le monde! On est prêt à partir, comme au bon vieux temps, gamine! Tu t'en doutais, pas vrai? Bien sûr. J'ai besoin d'une chanson sur Alan Wake. Sur le fait de le sortir de l'entre-noir. Un auteur! Un lac ténébreux, une sortie vers la lumière. Ah, ça s'écrit tout seul. J'espère qu'il gère encore. Bah là, faut que je regagne la voiture. Ce serait mieux pour vous de venir avec nous. Là, faut que je gagne la voiture pour aller à Cauldron Wake. Mais le problème, c'est que j'ai pile mis son hyper, j'ai la machin, mais j'ai la balette, mais la balette. Pas super. Après, c'est pas génial. Pas super super. Après, c'est pas génial. Pire, ça s'étend. Je vais bientôt manquer de temps. D'un cacaïni. Je suis pas d'un cacaïni. Je suis pas dans la... Ah merde, tiens.
J'ai joué au 1 à la numérique 1. Celui-là, on va dire c'est la suite. On va dire ça. Ça doit être tort, Eodin. Je devrais aller voir. Gamine, on est presque au concert. Eodin a écrabouillé quatre larvas des ténèbres. Ah, le bus est notre marteau. Vous pouvez me retrouver sur la route. La chanson est prête? Oui, presque. Eodin a un super refrain. Bien sauvé ton âme. Lève-toi sans un drame, par son nom je l'appellerai. Le sombre océan invoqué. Complètement cinglé. Complètement cinglé.
compétence. Compétence impérieuse. Complètement cinglé. Complètement cinglé. Complètement cinglé. Complètement. Complètement disjoncté. Complètement disjoncté. Oh putain. Une autre cache de la scène. Mm-hmm.
6 et 2 6 et 2 8. T3 12. T3 12. Attends, ça c'est du 8. Ça c'est du 8. Et du 3. 12. C'est 11. Six, trois, six, trois, six, trois, six, 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 six,
8 1 3 6
plus. 6, 6, 8. Tiens, il y a un 3. Ben, c'est bien un 3 ça. Ben... C'est bien un 3. Il était... 3-6, hein, c'est pas... Pierre arbre. C'est des 8, hein, c'est vrai, mais... Pierre. Il y a 3-3-6 quand même, je vois pas. Pierre arbre. Oui, mais... 3-6 chez moi, c'est pas. C'est bien 6, c'est pas autre chose.
parce que je peux pas. C'est. Ouais, 36. Je vois pas du tout. Les tensions sont prêtes, Anderson. Parfait. Thor et Odin sont déjà là. Les dinosaures du rock. Ah, ils sont là et avec de l'alcool. Je les adore déjà. Faut se les farcir. Vous vous demandiez quel arbre on utiliserait, ou bien. C'est eux. J'arrive tout de suite. Oh non. Il y a un truc écrit ici. Un poème ? Ou une devinette ? Ça me fait penser aux comptines que je lisais à Logan quand elle était petite. Une petite poupée pince à linge.
Le cadeau insolite parfait pour Logan. Mmh. On attend que tu nous fasses signe, Saga. Ça va être un concert mémorable. Grand-père, fais-moi signe à la fin de la chanson et j'utiliserai le rupteur pour appeler Wake. Musique! Salut, Colbran Lake! Content de voir autant d'agents fédéraux ici ce soir. Préparez-vous pour une expérience extraordinaire, à vous en péter les méninges, pleine de magie noire et de sorcellerie. On dédie ce titre à notre auteur torturé préféré. Que ses chansons puissent le guider hors des ténèbres. Voici Dark Ocean Summoning. Fiche la honte de votre sagarde. Oh, oh, mon Dieu. Il y a plein de crimes surnaturels. Mais c'est trop génial. Tu veux un t-shirt ? Oh non. Émission. Merci pour le raid, putain. Ouais, exactement ce que je doutais, tu vois. Voilà. Le jeu crache en plein boss. Voilà. C'est le truc que j'ai redouté. Voilà. Ah mais ça fait que ça. Il y a plein de crimes surnaturels. Mais c'est trop génial. Tu veux un t-shirt? Procédez en approche,
tout là, pendant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? J'ai fait tout ce qu'il fallait. L'arc pour le ramener, et le rupteur pour que ce soit vrai. Alors, il est où, putain?
j'étais de retour. Je n'avais pas pu m'échapper. L'ombre noire m'avait bloqué. J'avais pu lire la page de titre d'un autre manuscrit. Return. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit, mais il m'était familier. Important. Je devais le trouver. Le plan d'intrigue était de nouveau vide. Il fallait une autre version. Retour à la case départ, mais plus proche du but. J'écrirai un nouveau jet pour Initiation, pour atteindre Parliament Tower depuis une autre scène de crime. Grincement sortait de l'entre-noir pour atteindre Alice. Même dehors. Notre invité de ce soir est Alan Wake. Cette fois, on voulait faire quelque chose d'un peu... J'étais en retour. Et je n'avais rien à dire. Je savais quoi faire. Et en je reprendrai le contrôle. Fini les surprises. Inspiration, des démons qu'il affronte aux heures les plus sombres de la nuit. Accompagné de notre groupe fétiche, les divins All Gods of Asgard, nous vous avons concocté une petite surprise. La chanson s'appelle Herald of Darkness. Du voyage d'Alan Wake, la comédie musicale. On procède comme on le fait toujours, on discute, mais au lieu de parler, on va chanter! Bon, vous savez quoi, je sais pas si je vais chanter. Je sais pas si je vais chanter. Mais là, je suis sûr que je vais me coucher. Parce que demain... Voilà, voilà. Hein. Bon, malgré ce crash, hein, tout à l'heure, comme d'habitude. Là, je vais arrêter, là, je reprends ça demain. Ouais, hein. C'est encore là d'être un sac aussi. Bon allez, merci d'être passé, en tout cas ceux qui sont passés, merci pour le raid. Puis voilà. Allez. Pardon, merci pour les deux raids. Allez, hop. Tac. Allez, bonne soirée. Puis voilà. Tac, allez. Bonne soirée, et puis ouais. Allez.